Bonjour à vous. Avec Word 2007, inutile de devoir lire l'entier d'un interminable document Word alors que vous n'êtes intéressé que par des passages relatant d'un sujet bien précis. Car vous pouvez demander à Word de vous faciliter la tâche en surlignant des mots-clés, ce qui vous permettra d'arriver plus promptement aux pages et endroits où se situent les sujets qui vous intéressent. Voici comment faire. Ouvrez dans Word le document en question. Comme on le voit, celui-ci contient 137 pages et plus de 84 000 mots. Il s'agit là d'infotextes créés pour l'exemple de cette astuce. Nous allons donc mettre en surbrillance une recherche spécifique afin d'y accéder rapidement. En premier lieu, contrôlez que vous êtes bien sur l'onglet « Accueil », ce qui devrait être le cas par défaut si vous venez juste d'ouvrir le document. Allez maintenant tout à droite du menu à la rubrique « Modifications » et cliquez sur l'option « Rechercher » ici. Dans cette boîte qui s'ouvre, inscrivez dans le champ « Rechercher » un ou des mots-clés concernant le sujet que vous voulez dénicher dans ce texte. Je vais rechercher dans cet exemple si l'on parle des multi-astuces d'Eric Otton. Puis nous allons dérouler le menu « Lecture du surlignage » pour cliquer sur l'option « Tout surligner » ici. Comme on peut le voir, Word a repéré et surligné par 6 fois l'occurrence que nous avons inscrite. Fermons la boîte et déroulons le document pour repérer à notre tour où se trouve le sujet précité. Comme on le voit, il est maintenant beaucoup plus aisé de localiser le sujet qui nous interpelle grâce à cette surveillance, encore ici et ici, bref. Maintenant que vous avez situé où se trouve le sujet recherché et si le jaune de cette surbrillance vous perturbe, vous pouvez la désactiver pendant votre lecture. Réouvrez la boîte de recherche en cliquant à nouveau sur « Rechercher ». Ou faites CTRL plus F pour les adeptes du raccourci clavier. Déroulez à nouveau le menu Lecture du surlignage et cliquez cette fois sur Supprimer le surlignage ici. Comme nous le voyons, nous sommes toujours bien à l'endroit du sujet, mais sans la surbrillance. Voilà. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Eric Otton pour lematin.ch.